Je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. Royal Bee, hey, t'es où? Ici, en haut, Candylicious. Ah. Et la vue est d'enfer. J'ai ce que tu m'as demandé. Tu viens la chercher? Super. Et voilà. J'ai hâte d'apprendre la nouvelle aux filles. Ça va être la plus grande surprise de leur vie. Un avion survole la maison. Et Lady Diva apparaît à la porte. Ou plutôt, dans les airs. Viva la diva! Alors ça, c'est une entrée digne d'une diva, chérie. Et encore, chérie, tu n'as pas vu mon dernier show. C'était extraordinaire. J'arrivais sur scène dans un char tiré par une vingtaine de robots flamants roses. C'était trop fabuleux. Laisse-moi te regarder. Tu m'as beaucoup trop manqué. Tape-moi une. Quand Royal Bee appelle, sa BFF est toujours là. Vous vous souvenez que nos meilleures idées ont germé ici dans ce restaurant, non? Bien, j'ai eu une autre idée tellement énorme qu'elle va sûrement vous effrayer. J'ai acheté ce restaurant! C'est pas vrai, là? Oui, c'est très sérieux. Vous venez d'entrer dans notre nouveau lieu de prédilection. Ok, mais réussir à le retaper, c'est pas gagné. Ça va demander beaucoup de temps. Et au cas où tu l'aurais oublié, je suis en tournée avec mon show! Un petit effort, les filles. Si on s'y met tout ensemble, c'est sûr qu'on va y arriver. Ça va être trop fun! Pourquoi une grande productrice de disques? Une méga influenceuse, surnommée partout la reine des stars, s'entiche tout d'un coup d'un restaurant. Il ne s'agit pas que du restaurant, je fais ça pour nous. Pour vous, mes chéris, pour qu'on ait toujours un endroit où poser nos valises, même si on a des vies de dingue. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il reste sur la liste? Il ne reste plus beaucoup de temps, les filles. Waouh, waouh, waouh! On s'arrache les ongles. On est toutes sous pression, là. Il n'y a pourtant pas d'urgence. Eh bien, j'ai peut-être bien invité la plupart de nos amis à la plus grande soirée de tous les temps pour célébrer ma belle acquisition. Et c'est ce soir! Ah, répète-moi ça. Une partie? Ici? Ce soir? Chérie, je ne sais pas où est ton problème, mais là, c'est mort. Ça va être une catastrophe. Hey, hey, hey! Tout le monde se détend. Bye bye! Regardez ce qu'on vient de nous livrer. Royal Bee, où t'as trouvé cette vieille photo de nous? Je l'ai dans mon téléphone depuis des années. Et j'ai très envie de rendre hommage à mes stars préférées. C'est pour vous que je me lance dans cette aventure. Alors donnez-moi un coup de main. Oh, encore un peu à gauche? Un peu plus à droite? Non, sur ma droite à moi. Super, merci beaucoup. Moi, ça me rappelle plein de bons souvenirs. Et ça se voit qu'on est les meilleurs amis du monde, non? Ça, c'est sûr. Quand je suis avec vous, j'ai l'impression qu'il ne peut rien arriver de mal. Je disais... Royal Bee, tu sais que je t'adore. Mais chérie, organiser une partie ici, ce soir, je crois que c'est un peu dingue, non? Je sais que c'est pas gagné d'avance, mais je crois qu'ensemble on peut le faire. Il n'y a aucune soirée sans Candylicious et ses fameux cupcakes. Qui veut tester? Vous pourrez goûter la deuxième fournée. Et voilà le travail! Je trouve que j'ai bien mérité un petit verre. Mon parfum préféré, du sirop de banane et des fruits rouges. Bon, il y a une autre petite chose que je voudrais vous dire. Je n'ai pas seulement acheté le restaurant. Tout le bâtiment nous appartient! Tu veux dire que tu as acheté les apparts au-dessus? T'as fait ça? Sérieux? Ouais, j'ai tout acheté. Comme ça, vous pourrez venir ici quand vous voudrez. Installe déjà un triple dressing à chaussures là-haut dans tes appartements. Et là, je viendrai. Comment t'as fait? Oh, je nage en plein délire ou bien il y a vraiment une scène qui vient d'apparaître? Elle est arrivée là comme par miracle. Oh. Ouais, c'est la particularité de cet endroit. Il est devenu un peu... surprenant depuis quelques années. Ce qui rend cette pièce et toutes les autres encore plus intéressantes.
T'entends quoi par surprenant? Il y avait rien de surprenant quand on venait traîner ici. Oh, tout un tas de choses étranges se produisent. Une pièce se transforme en autre chose, ou alors le frigo ou n'importe quoi d'autre disparaît. Ouais, c'est la maison de toutes les surprises ici. Waouh! Boss Queen n'a rien mentionné de tout ça en me vendant cette maison. Il me faut un sirop de banane avec une pointe de fruits rouges. Triple dose. Alors, depuis que je sais qu'on possède une scène dans cette salle... Oh oh, j'ai eu une idée géniale pour la partie. Tu vas diffuser le trailer de ton nouveau film? Non, mais notre grande Lady Diva va nous présenter un de ces shows d'enfer dont elle a l'habitude. Oh, super, je suis trop contente que vous soyez là. Oh chérie, c'est chouette de te revoir. Trop belle. Cette partie est super bien. Royal Bee, t'as vraiment tout bien organisé. Oh, yeah. Il semblerait que tout le monde ici pense la même chose. La diva a une surprise. Oh, Lady Diva, t'as pu venir? Oh, waouh! Notre BB Driver, super! Ah, est-ce que mon score est toujours affiché? Oui. Quand je l'ai vu, j'ai réalisé à quel point notre team comptait pour moi. Et quoi que vous fassiez, les filles, je veux en faire partie aussi. Oh, ma chérie. Oh, oh. Ouais, c'est comme ça que je voyais les choses. Être là, tout ensemble. Oui. T'as assuré sur ce coup-là, Royal Bee. C'était une soirée mortelle. Merci, Lady Diva. Mais on n'a pas fini de s'éclater. C'est vrai, on a une grosse journée demain, pas vrai? Ouais, c'est la journée très, très terrifiante. Tu l'as dit. Alors j'ai une super idée. On n'a qu'à faire soirée pyjama à la maison. Vous savez bien qu'on en fait une après chaque fête. Alors, allons-y les filles, on va se faire une pure soirée pyjama! Mais j'ai pas apporté mon pyjama à moi! Moi non plus, j'ai pas le mien! Oh, c'est pas grave, venez comme vous êtes! On n'a qu'à se poser dans ma chambre et se raconter des histoires qui font peur! Ou alors des jolies histoires toutes mignonnes qui font pas peur du tout! Oh. Et soudain, voilà que des profondeurs de la forêt surgit. La créature rampante. On peut éviter de parler de la créature rampante? Il paraît que si on parle d'elle, elle revient pour nous hanter. Malin veilleuse, t'es trop superstitieuse. Hey! Ça fait des super paroles, ça. Malin veilleuse, t'es trop superstitieuse. Waouh, cette pâtisserie a l'air délicieuse. Stop! On ne grignote pas dans la chambre. Désolée, Swag. Je n'ai qu'une seule règle, et c'est ça. Mais je me fais toujours un petit casse-croûte la nuit, moi. Sérieux, tu sais que je déteste avoir des miettes sur le sol. Bon, comme tu voudras. À bientôt, petit gâteau. C'est quoi, ça? Oh. Je dors toujours avec une veilleuse. Surtout avec la journée terrifiante qui nous attend demain. Ah, oh, je vais dormir avec des lunettes de soleil. Pas de stress. Royal Bee s'occupe de tout. Je sais pas si je vais pouvoir dormir si c'est pas ma veilleuse. Mais je vais essayer. Bon, allez. Bonne nuit, les filles.